I know it's awfully warm and place all packed out the way it is, and so we're sorry we don't have any air conditioning. Je sais qu'il fait terriblement chaud, d'autant plus que cet endroit est bondé. Aussi nous regrettons de ne pas avoir de climatisation. And maybe that'll be these two things that I want to do for the church as soon as I can get back in the way I want to, if I can get back in the meetings properly. Et peut-être que ce sera... Il y a deux choses que je veux faire pour l'Église, dès que je pourrai être de nouveau ici comme je le désire. Si je peux reprendre le cours des réunions de la manière correcte. I want a piano, where it sets this way so the pianist will be looking towards the congregation. I want an organ over on this side and an air conditioner. Then I feel like I'd be it. Je veux qu'il y ait un piano qui soit placé comme ceci, afin que le pianiste regarde en direction de l'assemblée. Je veux un orgue de ce côté-ci et un climatiseur. Alors je sens que ce sera tout. And so we'll trust the Lord and know that he will grant it to us. Alors nous allons faire confiance au Seigneur et nous savons qu'il nous l'accordera. I believe he told me Brother Hickerson just took this out of the magazine and put it on my desk back there. Je crois qu'ils m'ont dit que frère Hickerson vient de retirer ceci du magazine. Il l'a mis là sur mon bureau. That is that constellation of angels that's in the magazine that was spoke of. Il s'agit de cette constellation d'anges dont il est parlé dans le magazine. See the pyramid shape? Look at this one on this side, the pointed wing coming with his chest out like that on my right hand side as I spoke from this same pulpit. Months and months and months ago. There it is. Vous voyez cette forme de pyramide? Regardez celui qui est de ce côté-ci, l'aile pointue, qui vient avec le torse bombé, comme cela, à ma droite. Comme je l'ai dit de cette même chair, il y a des mois et des mois et des mois. Voyez, le voilà. And Look Magazine, or Life Magazine, has it, May issue, May the 17th, I believe it is. Et le magazine Look, ou le magazine Life, là, dans le numéro de mai, du 17 mai, je crois. That right, May the 17th issue. Est-ce que c'est ça? Le numéro du 17 mai. Mrs. Woods was telling me today that many called her and asked, that's in the May issue, May the 17th. Madame Wood me disait aujourd'hui que beaucoup de personnes l'avaient appelée pour lui poser la question. C'est dans le numéro de mai, du 17 mai. It's a mysterious cloud. The cloud is 26 miles high and 30 miles across. And that's what we were speaking of here. C'est un nuage mystérieux. Le nuage fait 42 kilomètres de haut et 48 kilomètres de large. Et c'est de cela que nous parlions ici. And that's where the angel of the Lord came down and shook the place and the whole... C'est là que l'ange du Seigneur est descendu et a secoué l'endroit. Et tout, le bruit était plus fort. I know there's one man, I think Brother Softman, I seen him a while ago somewhere. He's here, he was standing, yeah, right back here. He was standing near when it happened. Je sais qu'il y a un homme, si... Je pense, frère Softman, je l'ai vu tout à l'heure quelque part. Il est ici. Il se tenait, oui, juste ici derrière. Il était tout près quand c'est arrivé. I guess I wasn't too far from him. I just seen him, tried to wave to him, only I had his binoculars. Il me semble que je n'étais pas trop loin de lui. Je le voyais. J'ai essayé de lui faire signe de la main. Seulement, c'est moi qui avais ses jumelles. That the animals in which we were hunting had wasn't on this hill, not went on the other hill. I found them the day before and told them where to go to. Eh bien, les animaux que nous étions en train de chasser n'étaient pas sur cette colline. Ils s'étaient maintenant déplacés sur l'autre colline. Je les avais trouvés le jour précédent et je leur avais dit où aller. I went over here where if they come this way, I'll just shoot up in the air and run them back that way so that they could get their animal. So, javelina is what it was. J'étais allé de ce côté-ci, de telle manière que s'ils venaient par ici, je n'aurais qu'à tirer en l'air
pour les faire repartir par là, pour qu'ils puissent attraper ainsi leur animal. En fait, c'était des pécaris. Je suis donc allé de ce côté et il n'était pas là. Il n'était ni d'un côté ni d'un autre. J'ai vu frère Fred s'avancer et il n'était pas là. He went back and brother Norman went over the hill and I turned, went down in a little chasm and come up just by myself about a mile and a half through some real rugged country. Il est retourné et frère Norman a passé par-dessus la colline. Moi-même, j'ai tourné. Je suis descendu au fond d'un petit ravin et je suis remonté de l'autre côté. J'étais tout seul. J'ai parcouru environ 2,5 km dans un terrain très accidenté. And I was sitting down and was just looking around. It's getting up in the day. And I was picking those, what we call our goat headers. It's something like a burr. Puis je me suis assis et je regardais autour de moi. Le jour était bien avancé. J'étais en train d'arracher des gratterons, comme on les appelle là-bas. C'est comme de la bardane. Picking them off of my trouser leg. Just exactly the same kind that I saw myself doing when I was here telling you about the vision 6 months before it happened. J'étais en train de les arracher de mes jambes de pantalon, exactement comme je m'étais vu le faire dans la vision que je vous avais racontée ici environ 6 mois avant que ça arrive. And I said, that's strange. Look how perfect north I am of Tucson. Kind of northeast makes Tucson. You remember I said a little southwest. J'ai dit, c'est étrange. Regardez comme je suis parfaitement au nord de Tucson, un peu au nord-est. Cela fait... Tucson, souvenez-vous que j'ai dit, se trouve un peu au sud-ouest. And I said, that's strange. And I was looking at the burr like this, picking them off of my, many of them, off of my trouser legs. Et j'ai dit, c'est étrange. Je regardais cette bardane, comme ceci. Je l'arrachais de mes... Il y en avait beaucoup, de mes jambes de pantalon. If you've never been there, that's a desert country. It isn't like this at all. About 20 times brighter, no trees and things like there is here, it's just cactus and sand. Si vous n'avez jamais été là-bas, c'est une région désertique. Ce n'est pas comme ici, pas du tout. La luminosité est environ 20 fois plus forte. Et il n'y a pas d'arbres et autres, comme il y en a ici. Il n'y a que des cactus et du sable. So, I just looking at it like that. I just raised my eyes up and about... I'd say half a mile from me, I saw a whole herd of javelina coming out on the end where they're eating some fillery. J'étais donc en train de regarder ça, comme cela. Alors j'ai levé les yeux, et à environ, je dirais, 800 mètres de moi, j'ai vu toute une tête de... un troupeau de pécaris. Ils arrivaient là, au bout où ils avaient mangé des becs de grue. And I thought, now if I can just get Brother Fred and Brother Norman to there, that's just the place. Je me suis dit, maintenant, si je peux seulement faire arriver là, frère Fred et frère Norman, c'est le bon endroit. In the evening before, the Holy Spirit was so tremendous in the camp that he was telling me things that had happened and taken place. I had to get up and walk away from the camp. Et le soir précédent, au campement, le Saint-Esprit avait été si extraordinaire qu'il me disait des choses qui étaient arrivées et qui étaient en train d'arriver. J'ai dû me lever et m'éloigner du campement. And then, that next morning, I went up there, and I said, now, if I can get to Brother Fred, I'll get him around this mountain, which is about a mile this way, and I had to go about 2 miles or better to pick him up, maybe 3. Et alors, ce lendemain matin, j'étais allé là-bas, et je me suis dit, bon, si je peux arriver vers frère Fred, je lui ferai faire le tour de cette montagne, soit environ un 1,6 km dans cette direction. Moi, je devais faire environ 3,2 km ou davantage pour l'emmener peut-être 4,8 km. Back this way down this, what we call hogback, come up like this, up top of these rugged, jagged mountains and run down this way, cut across and come over and go down in this direction and pick him up. Passer par ici derrière, descendre un dos d'âne, comme on l'appelle, remonter comme ceci, passer par-dessus ces montagnes au contour abrupt, et descendre de ce côté, traverser et venir là, et descendre dans cette direction et l'emmener. And then you have to go plump the bottom of the hill to get Brother Norman, which would probably have been about 4 or 5 miles, then get back.
Puis, il devrait aller tout en bas de la colline pour chercher frère Norman, ce qui allait représenter probablement environ 6,5 km ou 8 km, et ensuite revenir. And I was going to put a little piece of Kleenex, and I was going to hang on a piece of the mesquite there so I could point myself to which ridge to go out when I come back. J'allais mettre un petit morceau de mouchoir en papier que j'allais accrocher là à une branche de prosopis afin que je puisse retrouver quelle crête suivre à mon retour. And I just come up over a little ridge where there's a lot of jagged rock, and there's a deer trail come down the other side about all 40, 50 yards beneath the cliff. Je venais de franchir une petite crête où il y a beaucoup de rochers pointus. Et il y a une piste de serre qui descend de l'autre côté, environ aux 40, 50 mètres au-dessous de la falaise. It's about, oh, it's up in the day, I say 8 o'clock or 9, would you think something like that, Brother Fred, maybe 9 o'clock, something? Il était environ, oh, le jour était déjà bien avancé, je dirais 8 ou 9 heures. Est-ce que tu penses que c'était quelque chose comme ça, frère Fred? Peut-être 9 heures, quelque chose comme ça? Run over on this side quickly to keep the javelinas from seeing me. They're wild boar, you know, and they're pretty scary. J'ai couru rapidement de ce côté-ci pour éviter que les pécaris me voient. Ce sont des sangliers sauvages, vous savez, et ils s'effarouchent vite. So I went over the hill this way and cut. Started running up the hill and just run along in a little what we call a dog trot. J'ai donc passé par ici, sur la colline, j'ai coupé à travers, j'ai gravi la colline en courant, j'ai fait un petit trot, comme on dit. All of a sudden, the whole country just rung out. I never heard such a terrific blast. Just shucking, the rocks rolled, and I felt like I must have jumped 5 feet off the ground. Looked like it just scared me. Et tout à coup, toute la région s'est mise à résonner. Je n'ai jamais entendu une si forte déflagration. Cela a tremblé et les pierres se sont mises à rouler. J'ai senti comme si j'avais fait un bond de 1,50 m au-dessus du sol. On aurait dit, ça m'a vraiment, vraiment fait peur. I thought, oh my, I thought I'd gotten shot, that somebody, I had on a black hat, I thought they might have thought it was a javelina run up the mountain. Somebody had shot me. It went so loud right on me like that. J'ai pensé, oh là là, j'ai pensé qu'on m'avait tiré dessus, que quelqu'un, je portais un chapeau noir. J'ai pensé qu'il s'était dit que c'était un pécari qui courait en haut de la montagne et qu'on m'avait tiré dessus. Le bruit était si fort, juste au-dessus de moi, comme cela. Then all at once, something said, look up. There it was. Then he told me, it's the opening of those seven seals, turn home. So here it comes. Alors, tout à coup, quelque chose a dit, lève les yeux. C'était là. Alors il m'a dit, c'est l'ouverture de ces sept sceaux. Retourne chez toi. Donc, me voici. I met Brother Fred and Brother Norman about an hour later when I found them. They were excited and talking about it. There it is. J'ai rencontré frère Fred et frère Norman environ une heure plus tard, quand je les ai retrouvés. Ils étaient tout excités et ils parlaient de ça. Voilà, c'est ça. The science says that it's impossible for any kind of a mist or anything to get that high, fog, vapor. See, it'll only go just, I wouldn't know. When we go overseas, we travel 9,000 feet, that's above the storms. That's approximately about 4 miles. Et la science dit qu'il est impossible qu'une brume quelconque ou autre chose monte aussi haut, du brouillard, de la vapeur. Voyez, ça va seulement jusqu'à, je ne saurais dire, nous, quand nous allons outre-mer, nous voyageons à 2740 mètres. C'est au-dessus des orages. Cela fait approximativement 6 km 4. And say, let's say, maybe it's 15 miles, till you can't get no more vapor. But this is 26 miles, and she hung there all day. They don't know what it is, but thank the Lord, we do. Et tenez, disons qu'à partir de 24 kilomètres, vous ne pouvez plus avoir de vapeur. Mais ici, c'est 42 kilomètres, et elle est restée suspendue là toute la journée.
Voyez, ils ne savent pas ce que c'est. Mais merci Seigneur, nous, nous savons. Thank you, Brother Hickerson. Keep it on my desk in there. When we write the book, well, then we can have it. Merci, frère Hickerson. Je garderai ça là-bas sur mon bureau. Et quand nous écrirons le livre, eh bien, alors nous l'aurons. I got a little note here was given. I believe there's been an increase in our numbers since I was here last. Think his name, or at least his father's name, David West. J'ai semblé perdre.